parle d'un petit zerbe. D'un petit zerbe, il trouve dans l'habitation. Des fois, il vient pousser dans notre cour aussi. Et il appelle zerbe à bouc. D'abord, s'il a tout et il ennuie un marmaille ou même un grand moun, hein, il avait un problème, la toux, il touche, il trouve pas remède, il n'avait pas de pharmacie, il n'avait pas de ça dans le temps-là. Alors, zerbe à bouc, il prend son petit branche, il a le feuille avec le tige. Une bonne poignée, hein. Ça, parce que pour que le tisane l'est assez fort. Ouais, il faudrait qu'il y en a au moins près d'un 20-21 feuilles à peu près, puisque le feuille n'est pas gros, hein, avec un petit branche. Un pot bigarade avec, fait bouer à lit, boire à lit, le bon tasse le matin tiède, un bon tasse de midi à la journée, et le soir avant de dormir, un bon bol tiède pour arrêter la toux. Mais pas rien que pour ça qu'il avait problème le foie jusqu'à la cirrhose. Alors là, tu prends zerbe à bouc, tu y fais bouillir, mais là, le pied entier. Tu y mets le racine, le branche, la tige, le petit fleur, tout. Il fait bouillir le pied entier, un pied zerbe à bouc, il fait bouillir ça, tu y bois. Zerbe à bouc, ben là, tu y en cervali aussi, pour ça qu'il avait problème l'estomac, l'ulcère l'estomac. Là, il fait un bon tisane zerbe à bouc. Là, il prend la branche en haut avec le feuille, il fait bouillir, tu y bois. Et d'après ce que Bonnay dit, je remarque, t'es bon pour tout problème gastrique. Zerbe à bouc, Bonnay, t'es en cervali aussi, en usage externe. Là, il prend rien que le feuille, t'es pile, jusqu'à ce qu'il fait comme un petit pâte. Et quand on avait l'eczéma, t'es mettre dessus. Quand on avait tout problème d'éruption cutanée, la bourbouille, dartre, eczéma, un panari, t'es mettre dessus. Et là, lui soulager, lui était guéri, même Bonnard, d'après ce qu'il dit, d'après ce que moi la lire. Alors, sont-ils plantes là ?